Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre un temps pour s'exhorter. Alors pour ce fait, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Proverbes, au chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 6. Alors je lis pour la gloire de Dieu. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia! Amen! Nous allons parler ce soir de la sagesse. La sagesse qui crie, la sagesse qui parle. C'est pourquoi nous avons lu ce verset. Mon fils, c'est Dieu qui parle ici. Dieu parle à ses enfants. Dieu parle à ses fils, à ses filles. Si tu reçois mes paroles, il y a une condition. Si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, les paroles de Dieu et les préceptes, Dieu parle, Dieu nous conseille, Dieu nous exhorte, Dieu nous éduque à travers sa parole, qui est aussi sa sagesse, sa façon de penser, sa volonté, sa façon de faire. N'est-ce pas une bonne parole? Dieu est sage. Et il nous invite à être sages. J'aimerais encore vous dire que j'ai l'habitude de parler de la sagesse. J'aime bien la sagesse. Et la sagesse est en train de crier jusqu'aujourd'hui. La sagesse nous invite à la recevoir. La sagesse parle. Et souvent, les hommes, nous ne faisons pas attention. Mais pourtant, la sagesse crie partout, dans les rues, dans les places publiques. Mais personne ne fait attention. Et maintenant, là, Dieu qui est la sagesse, personnifié, nous demande d'avoir une oreille attentive à la sagesse. Parce que souvent, nos oreilles aiment bien écouter autre chose. Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous entendons? Mais il est mieux de tendre l'oreille à la sagesse. La sagesse est une richesse. Quiconque recherche la sagesse devient sage. Quiconque recherche la sagesse commence déjà petit à petit à connaître Dieu. Et en cherchant la sagesse, on devient ami de Dieu. C'est alors que commence même la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel commence déjà, petit à petit, lorsque nous sommes réceptifs à la sagesse de Dieu. Oh oui, si tu appelles, donc nous devons désirer la sagesse. Nous devons aspirer à la sagesse.
si tu appelles et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, ah, la sagesse va de pair avec l'intelligence. La sagesse est parentée à l'intelligence. Par la sagesse, on trouve, on sait comment Dieu agit. Et l'intelligence nous permet de comprendre maintenant les choses de Dieu. Donc les deux vont de pair. Quand on parle de la sagesse, on parle toujours de l'intelligence. L'intelligence, c'est comprendre les voies de Dieu. Tandis que la sagesse, c'est tout c'est ce monde de la manière dont on bâtit. Souvent, quand on parle de la sagesse, on bâtit sa vie, on bâtit une œuvre par la sagesse, parce que le monde a été créé par la sagesse de Dieu. C'est par la sagesse que Dieu a créé le monde. Et c'est par l'intelligence qu'il a affermi la terre tout entière. C'est pourquoi il nous invite à connaître. Il nous invite à aspirer, à aimer, à inviter la sagesse dans nos vies et à élever maintenant aussi l'intelligence de Dieu. Alors, si il y a une disposition, il y a une disposition à prendre pour chercher la sagesse. On la cherche comme l'argent. Souvent, on aime bien l'argent, on se bat pour chercher l'argent. On fait tout pour bien vivre. Sans l'argent, on ne sait pas agir. Mais pourtant, c'est comme ça, c'est de la même manière qu'on devrait chercher la sagesse. Et nous devons aussi la poursuivre. Poursuivre. Donc, insister. Insister pour avoir la sagesse comme un trésor. Un trésor, c'est quelque chose de précieux. Et d'ailleurs, quelque part aussi, dans la Bible, on nous dit que c'est en Christ, c'est en Jésus-Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse. Donc, si nous poursuivons la sagesse comme un trésor, c'est là que nous allons découvrir aussi qui est le Christ. Alléluia! Alors, tu comprendras ensuite la crainte de l'Éternel. Ah, c'est quoi la crainte de l'Éternel? Tu finiras par comprendre et à savoir comment honorer Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel, ce n'est qu'une façon d'honorer, autrement dit, honorer, respecter Dieu. Donc, sans la sagesse, on ne sait pas honorer Dieu. On ne sait pas le respecter, puisqu'on n'a pas encore reçu la sagesse de Dieu. On n'a pas encore reçu la façon de Dieu de réfléchir, de penser, la manière de Dieu d'agir. Donc, on ne le connaît pas. Donc, on ne sait pas agir comme Dieu. Donc, on ne respectera jamais Dieu, puisque tout ce qu'on fera n'honorera pas le Seigneur. Et ensuite, tu trouveras la connaissance de Dieu. Ah, souvent on dit, ah, il faut connaître Dieu, il faut connaître Dieu. Mais d'abord, il y a une démarche à faire. D'abord, poursuis l'intelligence. Cherche. Dieu se cherche dans la profondeur. Poursuis. Insiste. Et c'est alors que là, maintenant, ah, tu trouveras. Donc, Dieu se laisse trouver. Tu trouveras maintenant la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, connaître Dieu, c'est s'abstenir du mal. C'est respecter aussi Dieu, l'honorer. Car l'Éternel donne la sagesse. Donc, la source de la sagesse, si nous voulons chercher la sagesse, c'est seulement en Dieu, c'est seulement en Christ Jésus. Parce que c'est Dieu qui a fait de Christ notre justice,
notre sanctification et en plus de cela, notre sagesse. Donc, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. De la bouche de Dieu, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mon peuple périt, le peuple de Dieu, périt, meurt, parce qu'il lui manque la connaissance. Or, la source de la connaissance, ce n'est que Dieu, ce n'est que Christ. Qui est la vérité qui conduit au Père. Donc voilà pour aujourd'hui là une petite exhortation concernant la sagesse et je prie le Seigneur que chacun de nous puisse aimer la sagesse. Aimons la sagesse plus que toute autre chose. Nous aimons souvent autre chose, nous aimons les richesses de ce monde, nous aimons le travail, nous avons d'autres aspirations, nous aimons autre chose. Mais la sagesse de Dieu te rendra riche. La sagesse de Dieu te rendra grand. La sagesse de Dieu, c'est une vie, qui n'est pas comparable à la vie que nous menons tous les jours dans ce monde. Le monde et la figure de ce monde va passer, mais la sagesse de Dieu, si nous la recherchons, nous sommes bénis. Ce n'est qu'en Christ, en Christ Jésus, parce que Dieu l'a fait sagesse. Aujourd'hui, là, tel que nous parlons, dans la dispensation que nous avons maintenant, Dieu a tout remis en son Fils Jésus-Christ. Et il a fait de lui la sagesse. C'est lui la sagesse. Même Paul le dit, nous prêchons Christ. La sagesse de Dieu, qui est aussi la puissance de Dieu. Alors, chaque fois que nous parlons de la sagesse, et même dans ce contexte ici, en fait, nous parlons de Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus-Christ parce que toute la parole, la Bible nous parle de Jésus-Christ du début jusqu'à la fin. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le sujet principal, c'est toujours Jésus-Christ. Mais caché, de manière cachée, dans les Écritures et notamment dans Proverbes. L'intelligence et la sagesse, les deux vont toujours de pair. Nous élévons la sagesse et nous poursuivons aussi l'intelligence qui nous permettra de nous rapprocher de Dieu dans le vrai et dans le bon. Parce que beaucoup de gens cherchent Dieu dans la religion, dans les sectes, dans plusieurs autres choses. Mais, Christ est caché aussi dans la sagesse de Dieu. Recherchons-le. Recherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est Christ qui est notre sagesse. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je prie le Seigneur que cette parole soit gravée dans vos cœurs. Méditez-la. C'était une exhortation. Une exhortation nous édifie toujours, nous rend fort. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les Majestic Hotel Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province d'Ikwilu,
En République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benukwen na bwala ku tala babuti to ku sala makambo. Kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Bonjour mon ami. Bon talent à bien. Ah, on a un Pactol Studio. Pactol Studio. Il y a bien un bisou bout à moutou. Il y a un bien moutou à Zamani. Lolo Moutima. Au sentir cadré. Non, ça va. Je suis un peu plus belé, mais. Ce que je veux dire, c'est que je suis un peu plus belé. Je suis un peu plus qualité, la quantité. Pour la quantité, je suis un belé. Mais. Je veux sentir que. Je suis un peu plus belé. Pour mon studio, je suis un peu plus belé. La ville juive. Donc, qui tira la terre, sa vie juive aux 8 trams, tram aux Arawana, T7, je crois, 4e arrêt. Tant aux autres qui tira la Wana, Pactol Studio, les Arawana. Pour un événement, tout. Je dis bien pour un événement, tout. Ma clip. Bon, vous garantissez. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je suis Pactol Studio. Studio Pactol. Awa, solution. Je suis un peu plus grand. Je suis télévision. Awa, une solution. Encore une fois, merci à Lolo Moutima parce que vous valorisez le bateau de la télévision. Je ne sais pas si je suis apprendre Yaka. Il y a un cas où on est dans le monde, on peut sentir. On sent que non. C'est-à-dire, Ozana. Hein? Voilà. Encore une fois, merci à Lolo Moutima. Tu oses la bino tout. Tu oses la bino. Dans le studio Pactol. Je vais te dire que les gens sont belles. Ils ont été en train de se. Merci beaucoup. Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactol. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclophone vert d'une grande superficie. Trois box de maquillage, trois postes de montage et deux postes internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micros et projecteurs.
Studio Pactol vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire. L'équipe de Studio Pactol est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 07 82 76 79 54. Écrivez-nous à pactolstudio@yahoo.fr et visitez notre site www.pactolstudio.com. Notre adresse, 220 avenue de Stalingrad, 94 550, Chevilly-Larue, à côté de Table à Pizza. Studio Pactol, votre partenaire image incontournable.